Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, comme je vous ai dit, je partais au Maroc. Donc là j'y suis comme vous voyez, je suis en djellaba. Voilà, donc j'y suis, donc je suis venue pour l'enterrement de mon grand-père qui s'est passé ici. Là je suis chez lui, je suis à la campagne, je suis dans sa maison. Voilà, c'était un peu pour vous tenir au courant, vous dire un petit peu comment ça s'est passé, etc. À chaque fois que je viens au Maroc et que je viens chez mes... à chaque fois que je viens au Maroc, en fait, à part quand je vais chez la famille de mon mari, je viens toujours ici. Et je vous avoue que la maison est bien vide. La maison est bien, bien vide. C'est la vie, on va tous y passer. Et paix en son âme, paix en son âme. Là, il y a du vent. Voilà, sincèrement... Oula, vraiment, je fais peur. Cet enterrement, son enterrement, sincèrement, il n'y a pas eu beaucoup de pleurs. J'avais peur de ça, j'avais peur qu'il y ait beaucoup de pleurs, j'avais peur qu'il y ait... voilà, vous savez, tout le monde est stressé, qu'il y ait des soucis, etc. Tout s'est passé extrêmement bien, tout s'est passé magnifiquement bien. Voilà, c'était vraiment des moments extraordinaires. Son enterrement a été un bel enterrement, a été un très très bel enterrement, tout le monde était soudé. J'ai rencontré beaucoup de la famille. On a des personnes qui sont venues vraiment de villes très très loin, très lointaines, qui sont venues juste pour une heure ou deux et ils ont repris les transports pour partir chez eux. Il y en a qui sont venus pour une demi-journée. Donc vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinairement beau. J'ai l'impression qu'il nous a soudés en fait. J'ai vraiment l'impression que il nous a soudés, il nous a beaucoup soudés. Il y a eu des tensions, enfin, il y avait des tensions dans le passé qui se sont réglées. Il nous a vraiment soudés, il nous a vraiment rapprochés. Moi, ça m'a permis de connaître beaucoup de monde de la famille que je ne connaissais pas. Beaucoup de monde de la famille que je connaissais que de nom. Et c'est vraiment des gens vraiment formidables, mais que je ne connaissais malheureusement pas, que j'avais jamais rencontrés. Voilà, que j'ai connu là et j'ai l'impression que lui c'était quelqu'un qui aimait la famille, qui aimait être entouré, qui aimait être avec du monde, qui aimait les gens en fait tout simplement. Il y a eu beaucoup de monde à son enterrement, vraiment énormément de monde. J'ai l'impression que voilà, j'ai l'impression qu'il était là avec nous et que et qu'il nous a tout simplement soudés en fait. Il nous a tout simplement rapprochés, tout simplement soudés. Je sais pas, il y a des liens qui se sont créés qu'il n'y avait jamais eu avant. Donc voilà, ce que j'ai à dire, c'est paix en son âme, paix à son âme. Je suis sûre qu'il est bien là où il est, je suis bien qu'il est au repos là où il est. Voilà, c'est mon grand-père. Il va me manquer bien évidemment, il me manque déjà et pour vous dire vrai, j'ai encore du mal à réaliser qu'il ne sera plus jamais là, que je ne le verrai plus jamais. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie et j'ai envie de dire, je lui souhaite tout le bonheur du monde là où il est et je suis certaine qu'il est très très heureux et qu'il veille sur nous et qu'il est quelque part parmi nous. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais vous laisser quelques petites images de son petit paradis ici. Sa maison, lui c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les plantes, qui aimait beaucoup la nature. Voilà, il avait une petite maison à la campagne et il disait que c'était son petit paradis. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je vais vous laisser quelques images. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.